Deltil, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Avec plaisir. Ici. Donc vous êtes présent aujourd'hui ici à ce salon, workshop œnotourisme, tout simplement parce que vous êtes directeur général de la cave Latitude Vin à la Cité du Vin, Passion Vin. Exactement. Alors, est-ce que vous nous parlez justement de votre action là-bas au niveau de la Cité du Vin? Alors, en fait, si vous voulez, moi, j'ai une société qui gère plusieurs caves qui s'appelle Passion Vin. Les caves s'appellent Vigny Marché. Ouais. On s'occupe également donc de la cave de la Cité du Vin. Donc, la Latitude Vin, c'est une société qui regroupe et qui gère les espaces caves, brasseries, bar à vin et snack de la Cité du Vin au rez-de-chaussée. Et nous occupons plus particulièrement de la partie cave. D'accord. Voilà. Donc vous allez chercher les vins, vous allez explorer, on va dire, ce vignoble, en général, qu'il soit bordelais ou... Alors, le cahier des charges initial pour l'assortiment de la cave de la Cité était extrêmement intéressant, puisque notre objectif était d'avoir des vins de tous les pays produisant du vin dans le monde. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, cette cave est la première cave dans le monde par le nombre de pays présentés et vendus. On vend des vins de plus de 70 pays, dont certains sont pour la première fois en France, voire en Europe. Donc vous faites découvrir. Voilà. Donc cela correspondait à l'esprit que souhaitait insuffler le conseil d'administration de la Cité du Vin, qui était de dire que ce n'est pas une cité du vin de Bordeaux, mais c'est une cité de tous les vins. Et la cité de tous les vins, ça montre et ça présente des vins de tous les pays. Et bien sûr, on présente des vins de Bordeaux, mais on explique aux gens qu'il y a des vins dans beaucoup de pays dans le monde et qui viennent de pays nouvellement producteurs et qui font aussi des choses intéressantes. Ça fait partie de l'attraction de la Cité du Vin, en fait. Oui, on peut considérer que c'est une bonne fin de visite de la Cité du Vin. Est-ce qu'on peut déguster ces vins là-bas? Alors, il y a dans l'espace bar à vin, il y a une cinquantaine de vins au verre qui sont servis. Mmh. Et n'importe quel visiteur peut acheter une bouteille dans la cave et la consommer au bar à vin. Et puis l'autre possibilité aussi, c'est de participer à nos soirées dégustation, tout ce qu'on fait comme événement autour du vin, qui explique notre présence à ce salon. Voilà. Ok. Donc, on parle sur ce salon de l'œnotourisme. Mmh. En quoi vous êtes concerné par l'œnotourisme? Alors, on est concerné par l'œnotourisme parce que la Cité du Vin est quand même un des piliers de base de l'œnotourisme. Et nous, au travers de cet outil formidable qu'est la Cité, on a développé une offre événementielle et œnotouristique où on propose à des groupes de découvrir des vins, de découvrir des pays et de participer à des dégustations selon leurs objectifs de visite. Donc on reçoit des groupes plus ou moins importants qui souhaitent par exemple découvrir les merlots du monde ou découvrir les cabernets sauvignons du monde ou déguster un vin de chacun des continents ou des choses comme ça. Donc on leur organise des dégustations dans le cadre de notre bar à vin. Vous êtes une école du vin, quoi, en quelque sorte. Le mot est un peu grand peut-être. Bon, on a tous mes collaborateurs sortent d'école du vin, sont tous des sommeliers qui sont très diplômés, mais on n'a pas la prétention on est plutôt dans un état d'esprit de faire découvrir. Nous, ce qui nous plaît, c'est de dire aux gens goûtez le vin, vous allez découvrir des choses formidables qui sont peut-être pas ce que vous avez l'habitude, mais au moins vous aurez une idée de ce qui peut se faire avec du raisin dans différents endroits du monde. Et puis revenez à Bordeaux pour découvrir aussi des Bordeaux, parce que tous les vins que l'on vend, on les sélectionne avec un comité dégustation à l'aveugle. Et donc on a une jolie gamme de vins de Bordeaux aussi. D'accord. Alors vous avez créé aussi Latitude Vin. Hmm? Alors vin, le chiffre 20, mais vin pour le vin, évidemment. C'est sélectionné par Michel Roland. C'est un gage de qualité, bien évidemment. Alors, la cuvée Latitude Vin, l'idée, c'était de sélectionner un vin de Bordeaux. Donc, on a fait appel à des échantillons. Et puis, on a sélectionné, avec quatre collaborateurs et Michel Roland, on a sélectionné tout simplement cette cuvée pour laquelle on a fait une étiquette spécifique. C'est un vin qui est produit par le château Lauduc et que nous commercialisons à la cave de la Cité et à la brasserie de la Cité. Voilà. À l'aveugle ? Alors, on l'a sélectionné à l'aveugle, bien sûr. Ah oui, oui. Toujours à l'aveugle. Ah oui, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on va déguster ce vin. Hmm? Et on va finir nos interviews avec vous. Bah, écoutez. Parce qu'on peut se donner aussi cette latitude.
Voilà, et alors à Latitude, on réalise aussi des dîners de prestige dans la cave. Uh-huh. Où on a un endroit aussi assez exceptionnel. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on est exposant à ce workshop. Merci. Bah écoutez, avec plaisir. Et puis bonne soirée à la Cité du Vin. Merci, on y va. Au revoir.